Bonjour tout le monde et bonjour ma chère Sonia. Sonia, je suis ravie, ravie de pouvoir vous offrir ce tirage que vous avez réussi à obtenir grâce aux petites surprises que j'avais glissées dans certaines vidéos énergie de la semaine. Surprises où il y aura évidemment récidive régulièrement pour vous faire gagner des tirages gratuits. Donc Sonia, surtout que vous m'aviez posé une question lors d'un live et que je me suis plantée apparemment dans ma réponse. Donc ici, ça va nous permettre d'avoir un tirage construit, un tirage complet, au lieu d'avoir un petit tirage comme ceux que je peux faire en live en trois cartes. Là, on va avoir un tableau de neuf avec peut-être une extension si besoin est. Donc Sonia, je suis ravie. Pour les autres, oui, ceux qui voudraient s'offrir ce tirage, c'est très simple. Vous avez mon lien PayPal en barre d'infos. Vous m'envoyez 15 euros. Dans l'espace commentaire PayPal, vous me posez votre question précisément, s'il vous plaît. Et vous choisissez un nom de code, un pseudo pour préserver votre anonymat comme petite fleur sauvage, guerrière, de la galaxie, ce que vous voulez, ok? Et je vous répondrai le jour même ou le lendemain ou plus tard. Ceux qui veulent ce même tirage, au téléphone avec moi, avec votre vidéo que je vous enverrai en privé, évidemment. Là, on augmente et on passe sur 20 euros. Et dans ce cas-là, vous me téléphonez pour prendre rendez-vous avec moi du lundi au samedi de 10h à 20h pour prendre les rendez-vous. Allez, on y va tout de suite pour Sonia. Est-ce que je vois ici une possibilité pour Sonia d'avoir un deuxième contrat puisqu'elle travaille le matin. Le matin, c'est OK, mais elle voudrait aussi l'après-midi. Allez, on y va pour Sonia. Y a-t-il ici quelque chose de plus solide, de plus complet au niveau des heures de travail pour Sonia? Y a-t-il un deuxième contrat pour l'après-midi? Donne-moi une réponse claire et précise pour Sonia. Y a-t-il pour elle la possibilité d'avoir un deuxième contrat pour l'après-midi? Le soleil. C'est la meilleure carte du jeu, mais on ne va pas s'enflammer. Le mont. Le trèfle. Les poissons. Les poissons, ils nous parlent d'abondance et d'argent et de salaire. D'argent en plus. Le renard, le salarié, ça sent très très bon à côté du soleil. Les chemins. Les souris. L'étoile. Les étoiles ici. Et le bateau. Alors, ici on nous parle d'une réussite. Alors, il se pourrait que vous deviez attendre, malheureusement, on nous parle de retard, on nous parle d'attente, ok? On nous parle ici d'un ralentissement, d'accord? Mais, d'une belle opportunité qui s'offre à vous entre l'hiver et l'été. Oui, désolé Sonia, c'est un peu large. En espace temporel, mais je ne peux pas préciser plus ici puisque j'ai l'hiver et l'été. Donc, ça sera entre sur ces deux trimestres. Ça peut très bien être à l'hiver assez tôt, vous voyez, mais je ne peux pas préciser plus parce que si vous voulez, j'ai le trèfle ici. Et le trèfle, c'est la carte numéro 2. Donc, on peut nous parler par exemple du mois de février. Ce n'est pas obligatoire, je vous rappelle que ça sera entre l'hiver et l'été, mais on nous parle ici d'une belle chance, de quelque chose de supplémentaire.
On nous parle ici de salaire, on nous parle effectivement de travail, on nous parle de trajets, de déplacements qui nous font du bien par rapport au travail. On nous parle de réussir malgré l'attente et ce long voyage vers l'obtention de l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà, hein, de devoir patienter, mais on y arrive ici en synthèse. Alors il va y avoir du stress. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir faire un choix, ma belle. On va devoir faire un choix ici. Je vais chercher la carte de la consultante. Effectivement, il y a un contrat. Les trois cartes en dos de jeu, elles me le disent directement. J'ai l'entreprise, j'ai le contrat, j'ai quelqu'un de bienveillant, j'ai une bonne nouvelle qui arrive, une proposition, un cadeau dans le petit panier de cette personne qui vous donnera cette opportunité. Et la lettre qui nous ramène au contrat. Alors, vous, très intéressant. Ici, il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition et vous allez récolter effectivement quelque chose de plus stable, mais pour moi, il y a du changement. Vous travaillez dans une administration, Sonia ? Dites-moi-le dans les commentaires, je ne sais plus du tout ce que vous faites. Hein. Mais ici, je pense que vous allez être perturbé. Je pense que vous allez quitter un endroit géographiquement. Alors ça peut être, je travaillais dans tel établissement, dans telle entreprise et je vais dans une autre parce que c'est là-bas que j'aurai mon complément. Il y a cette possibilité ici, Sonia. Parce que si vous voulez, j'ai le stress d'aller dans une nouvelle direction, de devoir choisir entre je garde ce que j'ai ou je m'en vais ailleurs pour avoir plus. Comme j'ai le bateau ici qui nous dit qu'on s'en va, vous voyez. Donc pour moi c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, on opère une renaissance. C'est vraiment intéressant, je vais regarder au niveau de l'argent, donc du salaire avec l'ours. Même si on a déjà cette notion d'abondance ici. Moi, j'ai l'impression que vous faites une croix et que une croix sur l'endroit où vous êtes parce que vous avez justement cette belle opportunité de couper, de trancher pour aller ailleurs. On a un nouveau départ derrière. On a une mort et une résurrection, un nouveau départ là, au niveau du salaire. Et quelque chose quand même de chouette au niveau du salaire. Puisque nous l'avons déjà ici avec les poissons, en termes d'abondance. Et en diagonale, ici, on a le soleil, la meilleure carte du jeu, en termes d'abondance, et l'étoile. On est enfin serein par rapport à ce qu'on a obtenu. Il y a peut-être ce petit stress ici de devoir prendre la bonne décision et de choisir. Mais franchement, on est au top, Sonia. Dans les mois qui arrivent, il va y avoir du changement. Donc, soyez patiente. On est plutôt ici sur 2025, à mon avis. Mais ça se fera. D'accord, ma belle ? Je vous remercie de m'avoir accordé à nouveau votre confiance suite à cette petite déconvenue qui peut arriver parfois, évidemment. Surtout que les tirages en live ne sont pas du tout les mêmes que ceux-là ou que ceux que je fais en consultation privée, évidemment. Donc, merci de tout cœur. Bisous, ciao.